Et donc, yo les potes, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Farming Simulator 22 sur la série jouer le plus réaliste possible. Dans cette vidéo, on va semer le couvert, enfin finir de semer le couvert dans un champ. Donc je vous expliquerai parce qu'il y a des 2-3 trucs qui vont changer dans la série. Merci à tous pour le live viewer qui vous a énormément plu, qui a presque 300 vues à l'heure où je parle, qui a 30 likes, on a presque rempli tous mes objectifs. Donc merci à vous. On a gagné quelques abonnés, donc merci aux nouveaux qui sont venus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Première vidéo avec ma tête, donc voilà, vous me voyez ici, là. Je suis là, ma tête elle est là. Il y a mes doigts, là, mes mains, voilà. Vous avez compris. Aujourd'hui, bah, voilà, on est sur Farming Simulator 22. Petit problème aussi, les gars. J'ai tourné la vidéo juste avant. Mais il y a eu un problème, du coup, bah, si je vous dis ça, c'est qu'il y a eu un problème, donc je la retourne. Là, je suis en train de la tourner. Donc voilà. Donc en fait, juste pour cette vidéo-là, après je vais trouver un moyen. Enfin, j'ai déjà trouvé un. La vidéo va être courte. Donc ce que j'appelle court, c'est entre 10 et 15 minutes, même 13 minutes, genre pas longtemps. Donc si je parle vite ou des trucs comme ça, c'est juste excusez-moi pour cette vidéo. Jusque-là, j'ai installé la caméra comme il faut et que pour la solution que j'ai pour tourner une vidéo plus longtemps, faut que je enlève la caméra, que j'enlève ma carte SD, que j'en mette une plus grosse. Donc voilà, c'est normal si je parle vite dans cette vidéo. Donc dans la vidéo que j'avais tournée juste avant, on avait vidé la benne de pierre qu'on avait fait pendant le light user. Enfin, les pierres qu'on avait ramassées dans le light user. Du coup, voilà. On va le poser dans. On va le mettre dans un hangar. Hop, on va le mettre ici. On éteint ça, on va reprendre le masset, le 7724S, donc voilà, il est déjà en route. Hop là, nickel. Ouais, c'est bon. On va se mettre en vue intérieure. Donc, ouais, je vais arrêter. Hop là. Nickel. Hop. Du coup, ouais, on va finir de semer le couvert. Donc, objectif de la vidéo, de cette série-là, du coup. C'est de suivre les saisons, genre de jouer vraiment le plus réaliste possible en jeu et aussi via les saisons, enfin, niveaux saisons, environnement et tout. Donc la map déjà est plutôt réaliste, on va dire. Après, c'est à moi de jouer réaliste et c'est à moi de faire en sorte de tenir, genre, comment dire, genre, dans la vraie vie, on va pas semer du maïs en hiver, genre c'est ça le bail. Genre, on doit suivre les saisons et semer au bon moment, récolter au bon moment et tout. Donc, aussi, on a les animaux. Enfin, on a des animaux et tout. Du coup, faut s'en occuper. Hop là. Donc, on a 4 jours. Enfin, on a 4 jours par mois. Donc, là, on est en septembre. On est en train de semer on va semer du blé, de l'orge, du colza et bah, des couverts pour les maïs. Hop, nickel. Hop là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cet hiver, là, enfin l'hiver dans le jeu, donc en décembre, décembre, janvier, février, on va déneiger à nouveau. Je sais pas si bon, on verra, mais on ira peut-être épandre du lisier ou du fumier, ça dépend ce qu'il y a, parce on a des animaux. Mais on fera surtout, genre il y aura pas une grosse vidéo, mais une vidéo, genre sur la série jouer le plus réaliste possible où on va visiter tous les corps de ferme, enfin les 2 corps de ferme et je vais présenter tout le matériel que j'ai pour cette série-là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve, enfin présenter un peu le matériel. Donc ça sera une série saisonnière et de jouer le plus réaliste possible. Du coup, on fait 2 séries à la fois, enfin 2 concepts à la fois. Hop là. Sinon, dans la prochaine vidéo, dans 2 jours, je pense, je vais faire une vidéo tous les 2 jours maintenant parce que ça demande un peu plus de montage. Je vais essayer de faire un peu plus de montage. Du coup, dans 2 jours, il y aura une nouvelle vidéo présentation de map. Donc, vendredi soir. Hop là, nickel. Présentation de map qui est sur PC, il me semble. Pas console, je crois pas. Qui est pas mal en vrai, hein, elle est plutôt pas mal la map. Sinon, qu'est-ce que je vais lire d'autre? Bah, rien à dire, hein, je parle trop là déjà. J'essaie de me dépêcher alors qu'il reste 7 minutes à peu près. Donc voilà, j'essaie de faire des vidéos bien, pas trop longues, pas trop courtes.
Là aujourd'hui j'ai installé l'appareil photo là qui me filme. J'essaye de faire des vidéos avec ma tête là. Donc voilà, c'est pas toujours facile non plus. Comme non, je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo que j'avais tournée, mais comme elle a bugué, je suis obligé de le redire. Le tracteur est déjà sale, c'est parce que j'ai déjà semé tout ça là dans la vidéo d'avant. J'ai déjà semé tout ça et j'ai semé déjà un autre champ de blé, enfin un premier champ de blé dans l'i12er qu'on avait fait. Donc voilà, hop là, nickel. On met le traceur. Et en vrai, le traceur c'est trop bien, hein. Franchement, c'est mieux que le GPS, je trouve. En plus, le GPS il y est, mais je sais pas pourquoi il marche pas. Là il marche pas, sur tous les tracteurs il marche pas. Donc bon, c'est un peu casse-tête. Je voulais le mettre pendant le live 12 heures, mais j'ai pas réussi. Dans les options pour les touches, pour modifier les touches, alors ça marque qu'il faut mettre Alt C pour ouvrir le menu du GPS. Je t'appuie sur Alt C, ça fait rien. Et sur l'ATH, quand on appuie sur F1, genre. Il n'y a pas écrit Alt C pour ouvrir le menu du GPS, donc c'est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. Hein. Hop, là ça fait 7 minutes qu'on est en vidéo. On a presque fini le champ à peu près, enfin il reste quand même pas mal de choses à faire, enfin d'aller-retour à faire. Le tracteur commence à être un peu sale. On l'a trimé par contre, je sais pas si. Genre, je sais pas si. Sinon, si ça sème plus, c'est qu'il y a plus de. Si ça sème plus, c'est qu'il y a plus de semences. Donc bon. Hop là. Nickel. Bon, ça va plutôt pas mal. Hop. Merde. Ouais. Du coup, aussi, je vais semer un peu de tout. Dans les champs, je semer un peu de tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, en fait, y a plus rien à dire. Ça, le problème, il n'y a plus rien à dire. Ah oui, j'ai une annonce aussi à vous faire. Enfin, pas par rapport à ma chaîne YouTube. Enfin, je sais pas comment dire, mais la map Zolt Dream Farm qui sort sur console, PS4, Xbox et PC est en test de par Black Sheep Modding, Zero et tout. L'équipe de Black Sheep Modding qui ont créé la map, elle est en test en jeu genre, et ils vont l'envoyer chez Giant bientôt. Les tests ont commencé avant-hier, je crois. Ouais, avant-hier. Du coup, là, je voulais vous donner cette information. J'ai vu le PDA et tout, moi, avec quelques images. J'ai réussi à voir ça. Donc voilà. Sur le site de Black Sheep Modding et aussi en exclusivité sur un groupe Facebook. Mais bon. Mince, non. Comme ça. Hop là. Nickel. Et aussi, dites-moi en commentaire, là c'est très important. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du bois en réaliste? Donc, parce qu'il y a des petites forêts par là, par-ci par là. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse du bois? Genre, là il y a des. Bon, il y a le TM là, ou non, je sais pas pour ce que c'est, mais voilà. Il y en a un là, mais. Enfin, il y a un petit tracteur là, mais autrement, est-ce que j'achète un petit Renault ou un petit International pour qu'on puisse. Pour qu'on puisse couper 2-3 arbres, là-bas il y a une forêt, là aussi, qu'on puisse couper 2-3 arbres, faire un peu de bois de chauffage, un peu des trucs comme ça, qu'on change un peu cet hiver, qu'on a des trucs à faire. Voilà. Après, je pensais faire du foin, non, enfin comme de l'herbe en vrac, ou soit en silice, soit auto-chargé, mais je sais pas encore, du coup on verra au moment venu. Parce qu'en fait en silage, c'est bien. Sauf que je suis tout seul. Et après je peux recruter, je peux essayer de faire une team et tout, mais j'ai 400 je sais plus combien de mods, j'ai fait voir en live pendant les 12 heures, j'ai fait voir. Et j'ai plein mais trop beaucoup trop de mods, donc en fait après bon, si j'aurais Discord plus là, je peux l'abonnement là. J'aurais pu passer tous les mods à celui qui viendrait m'aider, mais qui viendrait tourner avec moi, mais je l'ai pas, moi ça coûte cher. Donc bon, on va faire avec, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que je sais pas encore comment je vais faire pour les ensilages dans la série jouer plus réaliste possible. J'aurais bien aimé quelqu'un pour m'accompagner, mais bon. Avant,
J'avais lu Keluro avant, qui tournait sur FS22 avec moi. Mais bon, ça buguait, il y avait des mods qui pouvaient pas aller sur le serveur. Bon, c'était la galère. Donc voilà, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je tourne en solo. Après, on verra plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, rien d'autre. Faut que je change l'ordinateur, parce que mon ordinateur, là, pendant les 12 heures, il a un peu. Sauf Fortnite déjà. Sauf Fortnite, il est un peu buggy. Après, pour améliorer les qualités de vidéo, ce serait un peu mieux que je le change. Bon, bah, on va arriver à la fin de la vidéo, par contre. Je vois le temps passer, mais ouais, le temps, les secondes jouent. Donc, on va arrêter la vidéo là. Vendredi soir, 17h30, on va mettre comme un peu d'habitude. Maintenant, ça va être le rituel. Nouvelle vidéo présentation de map avec ma caméra, toujours hein, si ça se passe bien. Donc, voilà. Sinon, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Genre avec ma caméra et tout. Sinon, je l'enlève. Hein, moi, je m'en fiche. Je veux juste un peu améliorer les vidéos. Mais bon, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu aussi. À mettre la petite cloche notification pour savoir les prochaines vidéos, les prochains lives. Qui vont arriver sur la chaîne. Il va y avoir un peu de changement sur la chaîne, je pense, mais vous verrez pas, mais pour moi il y aura du changement. Du coup voilà, ça sera mieux pour tourner pour moi et pour d'autres trucs. Donc voilà, je vous dis à vendredi soir pour une nouvelle vidéo, sinon un prochain live le week-end là, peut-être, on verra bien. Donc voilà, je vous dis à vendredi soir pour la vidéo pour la prochaine vidéo. À vendredi 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.